Cette semaine, dans l'actualité spatiale, nous sommes en plein cœur de la mission de la NASA, le Artemis 1. Cette mission qui consiste à envoyer le vaisseau Orion en orbite autour de la Lune. Il n'y a personne à bord de la capsule, juste des mannequins. Il s'agit d'une mission test pour s'assurer que tous les équipements fonctionnent bien et qu'ils sont sécuritaires. La mission Artemis 2, elle, de son côté, prévoit envoyer Orion sur le même trajet, mais avec 4 astronautes à bord, dont un Canadien. Elle devrait avoir lieu dans environ 2 ans et servira, elle aussi, à tester les équipements du vaisseau. Puis après, il va y avoir Artemis 3. Oui, ça, c'est la grosse mission. Oui, la grosse mission de la NASA qui va encore envoyer 4 astronautes à bord d'Orion, mais cette fois-ci, il y en a 2 qui vont avoir le privilège de mettre le pied sur la Lune avec le HLS, le Human Landing System, ou Starship lunaire de SpaceX. Ben, d'une manière ou d'une autre, vous êtes au bon endroit pour commencer à explorer votre futur. Mon nom est BDF et bienvenue dans votre actualité spatiale. Show! Cette semaine, la NASA nous a partagé des images de la surface de la Lune, la face cachée de la Lune. Comment ils ont fait pour nous montrer des images si c'était caché? Je savais pas que t'allais dire ça. C'était pas juste trop facile, mais ça? Partez tranquille, on s'occupe des poissons rouges! En début de semaine, la capsule Orion a survolé la Lune à 130 km de distance. La NASA a utilisé la caméra de navigation d'Orion pour prendre plusieurs clichés de notre satellite naturel. Et concernant la caméra de navigation, là, soyez patients, je vais vous en parler dans un autre chapitre. Les images enregistrées sont très utiles à la NASA pour préparer les futurs vols habités Artemis. Il y a 16 caméras à bord d'Orion qui filment en permanence l'extérieur et l'intérieur de la capsule. Et depuis le début de la mission, 24 caméras ont été utilisées pour documenter les événements de mission essentiels, y compris le décollage, l'ascension, le déploiement des panneaux solaires, les inspections de fusées externes, l'atterrissage et la récupération et les captures des images de la Terre et de la Lune. Donc, il y avait 8 caméras installées sur la fusée céleste, puis 16 caméras sur la capsule Orion, là. Ça inclut également là, le module de service. Donc, 8 plus 16, ça fait... Vite de même, 33. Ça, 33, c'est le chiffre des moteurs à port de SpaceX. 24. Après son survol de la Lune de lundi, Orion atteint vendredi son orbite rétrograde qui l'éloignera à plusieurs milliers de kilomètres. Le survol de la Lune a bien été, mais malheureusement, la NASA n'a pas atteint la force espérée, là. Je vous explique. L'engin spatial, en quelque sorte télécommandé depuis la Terre, est passé à seulement 128 km de la surface de la Lune. Ce survol avait pour but d'aller chercher la force de gravité lunaire pour aider Orion à rebondir vers une orbite rétrograde lointaine. Et c'est une nouveauté car les missions Apollo n'ont jamais emprunté ce chemin. Les vaisseaux utilisés lors d'Apollo avaient une orbite beaucoup plus circulaire et bien plus proche de la surface lunaire. Mais cette semaine, cette force n'a pas été suffisante pour emmener Orion là où la NASA le souhaitait. Lors de son passage derrière la Lune, le 34 minutes de perte de signal avec la Terre, Orion a effectué l'une des principales manœuvres de sa mission. Alors que la capsule se trouvait à quelques 530 km de la Lune et volait à plus de 8000 km/h, le moteur principal du moteur de service européen, anciennement la navette spatiale, je vous en ai parlé cette semaine, là, il s'est allumé durant 2 minutes. 30 secondes afin d'accélérer le vaisseau et lui permettre d'atteindre l'orbite rétrograde lointaine visée. Pour rejoindre cette orbite rétrograde, un deuxième allumage du moteur principal était nécessaire. Puis il a eu lieu vendredi le 25 novembre, puis il va apporter Orion jusqu'à 92 134 km de la Lune. Ça, c'est le plus éloigné qu'Orion va être de la Lune. La plus grande distance d'Orion par rapport à la Terre, elle sera atteinte lundi le 28 novembre, donc 432 108 km. Cette orbite rétrograde est extrêmement éloigné de la surface de la Lune. Bon, j'arrête pas d'utiliser le mot rétrograde, rétrograde, tout ça c'est beau, mais ici c'est une chaîne de vulgarisation. On va garder ça simple. Je vous explique c'est quoi rétrograde.
La capsule Orion voyagera autour de la Lune dans la direction opposée à celle de la Lune autour de la Terre. Bon, c'est pas encore clair, mais là, je vais vous mettre ça clair. Vous voyez le merveilleux point bleu pâle que j'ai ici, notre belle planète. On a la Lune qui est à environ à 384 000 km de la Terre, donc cette distance, on a toujours la Lune qui va tourner autour de la Terre, mais jamais aussi vite que la Terre elle-même, puisqu'on va toujours voir la même face. Donc, un quart de tour sur elle-même en même temps, pour être toujours capable de voir la même face. Donc, on va parler du vaisseau Orion. Il va orbiter d'une façon avec un halo, c'est elliptique autour de la Lune, mais si la Lune tourne dans ce sens-là, Orion va tourner, aide-moi donc. Ah, dans ce sens-là, il tournera pas autour de la Lune avec l'ovale en direction de la rotation, vous comprenez? Il va s'en aller dans le sens opposé à la rotation que la Lune fait autour de la Terre. C'est ça que ça veut dire, rétrograde. Comme un peu un auto-manuel que tu rétrogrades. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Donc, ce voyage permettra donc à la NASA et à l'ESA d'apprendre comment les mannequins, ou les mannequins et les capteurs, il y a tellement de capteurs à l'intérieur, réagissent dans un environnement aussi éloigné de la Terre et de la Lune, de façon à vérifier son aptitude à réaliser des vols habités, mais aussi d'apprendre et préparer des voyages plus lointains, comme par exemple vers Mars. Tous les systèmes et sous-systèmes sont donc étudiés avec la plus grande précision, afin de s'assurer que le véhicule sera prêt pour ses futures missions habitées. Et ce sera peut-être vous, mes amis, à l'intérieur de cette merveilleuse capsule dans quelques années. On sait pas. Comme je vous disais plus tôt, oui, la NASA a publié ses premières images de la surface de la Lune, puis ils sont pas extraordinaires. Les images, c'est de la merde. Surveille ton langage, il faut que je censure à chaque fois, c'est moi qui fais le montage, man. On s'en fout, c'est de la merde. Arrête! C'est de la merde, c'est de la merde. Faut pas utiliser d'autres mots que ça. En tout cas, bref, les cons. T'es pas un conspire, man? En tout cas, ils s'en ont donné à cœur joie, je peux vous le dire. En début de semaine, la capsule Orion a réalisé un survol de la Lune à basse altitude afin de rejoindre l'orbite rétrograde qu'on parlait plus tôt, qui lui permettra de contourner la Lune. Mais les ingénieurs de la NASA en ont profité pour capturer des images grâce aux caméras embarquées du véhicule et les ont publiées. Contrairement à la Terre, la Lune n'a pas d'atmosphère pour faire brûler la plupart des astéroïdes avant même qu'ils ne touchent le sol. La Lune est donc remplie de cratères qui sont visibles grâce au positionnement du Soleil. Puis beaucoup ont été déçus du résultat car la qualité des photos, des images est très ordinaire. On se l'accorde. Et lorsqu'on les compare avec les images rapportées par la caméra ultra performante du Lunar Reconnaissance Orbiter, eh bien la différence saute immédiatement aux yeux. Oui, mais ne paniquez pas, ces images ont été produites à l'occasion d'un test de la caméra de navigation. C'était pas une caméra là, haute définition, c'était une caméra de navigation. Suspense, hein? Ça a l'air d'être plus sérieux. La musique est bonne. Cette dernière n'est vraiment pas conçue pour capturer des images en très haute qualité. Comme son nom l'indique, oui, on vient d'en parler, elle permet d'aider les équipes de la NASA à déterminer la position du vaisseau dans l'espace. C'est comme une photo prise avec un Apple Watch là, qui sert à donner l'heure. Elle doit être calibrée parfaitement pour fonctionner dans ces conditions de luminosité. Et c'est précisément l'objectif de ces images. Elles permettront à la NASA d'ajuster la caméra pour qu'elle puisse remplir son rôle correctement lors des prochaines missions Artemis qui comprendront des vols habités avec des astronautes en chair et en os. Cette caméra de navigation n'est pas le seul instrument optique à bord d'Orion. Loin de là, la capsule embarque, comme je vous ai dit tout à l'heure, 16 caméras au total. Et certaines d'entre elles embarquent des capteurs capables de prendre des images en très haute résolution et même des vidéos en 4K. Ouais, puis si vous voulez visualiser mes vidéos là en 4K, vous avez juste à aller dans vos réglages, prenez la sélection la plus haute, puis vous allez voir, ça va vraiment être très très clair. Ok, mais pourquoi tu dis ça, là, on parle de la Lune, là. Mais alors pourquoi ne pas partager ces images? Mais pour communiquer avec la Terre, la capsule doit passer par le Deep Space Network, qu'on a parlé cette semaine. C'est un ensemble d'antennes spécialisées réparties en Espagne, aux États-Unis et en Australie. Puis cette installation spatiale présente des limites de bande passante et très inférieure à celle des réseaux terrestres, je peux vous le garantir. Cela prendrait un temps considérable et ça aurait beaucoup d'effet de saturer le réseau qui est aussi utilisé par de nombreux autres appareils très importants. Et quand je parle d'appareils très importants, voyez ça ici, c'est les noms là. Regardez, tout ce que vous voyez là utilise le même réseau pour communiquer, il faudrait pas le saturer puis le planter, imaginez. Puis aussi un petit blackout cette semaine d'environ 47 minutes là. Les médias s'en sont servis pour dire « Wow, ça va pas bien, on a perdu Orion », mais c'était pas si pire que ça. Tout est revenu dans l'ordre, la NASA n'a jamais paniqué avec ça. N'oubliez pas que c'est un vol d'essai, c'est des essais, c'est des tests. Puis quand vous voyez la Lune qui est comme un peu plate là, partez pas en peur. Hey, c'est conspire. Non, c'est pas ça. C'est parce que ça a été filmé avec une caméra GoPro. Puis les images, c'est 170 degrés, c'est wide, là, il y a
Il n'y a pas de stress à avoir, là. Pour récupérer les plus belles images, il faudra donc patienter jusqu'au retour d'Orion qui atterrira dans l'océan Pacifique le 11 décembre prochain. C'est à ce moment que l'agence va extraire les images et vidéos en haute résolution avant de les traiter, puis de nous les partager. Ça va être merveilleux à voir le 11 décembre, la date à retenir. Je vous le demande, connaissez-vous la signification du merveilleux logo du programme Artemis? Le 19 juillet 2019, à la veille de l'anniversaire du tout premier alunissage humain, la NASA a dévoilé le logo du programme Artemis. Ce logo était en quelque sorte un hommage au passé et une ouverture vers le futur. Mais que signifie le logo du Grand Retour lunaire? Le A central de ce logo est un hommage au programme Apollo qui a déjà envoyé des humains sur la Lune au cours de nombreuses missions. C'est aussi tout simplement la première lettre de l'appellation Artemis, choisie en référence à la déesse grecque de la Lune et de la chasse, sœur jumelle du dieu Apollo. Pour ce qui est de la forme du A sur le logo, la NASA explique qu'elle forme une tête de flèche provenant de l'arc d'Artemis et représente un lancement. Et cette flèche est tirée depuis un croissant bleu suggérant la Terre. Le but est que le reste de l'image soit perçu d'une perspective humaine, car selon la NASA, c'est de là que proviennent tous les efforts et toute l'énergie. Le A n'est pas la seule référence à l'ancien programme lunaire Apollo, puisque même la ligne de trajectoire contient un sens. Si vous comparez les deux logos, vous remarquerez qu'elles sont exactement opposées. Ce n'est pas un hasard, il s'agit de marquer des différences bien distinctes dans notre retour sur la Lune. Et parmi ces distinctions, eh bien, il y a l'idée que le programme Artemis n'a pas que la Lune pour destination. Si la Lune est énormément présente dans ce logo, visible en haut à droite, là. Ben, la planète Mars et le reste du système solaire ne sont pas loin non plus. La NASA explique que la pointe du A est dirigée derrière notre satellite naturel, ce qui signifie que nos efforts envers la Lune ne sont pas une conclusion, mais plutôt une préparation pour tout ce qui se trouve au-delà. Et dans cet horizon, eh bien, on retrouve Mars. La trajectoire du logo est en rouge en référence à notre planète voisine. En tant que porteuse de torches, Artemis va éclairer notre chemin vers Mars. Boosters and ignition. And liftoff of Artemis 1, we rise together, back to the moon and beyond. Coudon, est-ce que la NASA avait engagé William Shatner pour faire le poète? Maintenant que vous connaissez le logo, allons voir dans le prochain chapitre la station spatiale Gateway, qui sera en orbite lunaire. Le véritable objectif des missions Artemis est d'apprendre à l'être humain à habiter dans l'espace. C'est pourquoi, en plus des trois missions Artemis, la NASA prévoit construire une station spatiale qui va s'appeler Gateway, qui va être en orbite autour de la Lune, et même une base directement sur le sol lunaire. La NASA mène l'initiative visant à mettre une station spatiale en orbite autour de la Lune. Cette nouvelle station spatiale, environ 6 fois plus petite que l'ISS, sera construite, approvisionnée et utilisée en collaboration avec des partenaires du monde entier et du secteur privé. La station lunaire Gateway sera un laboratoire scientifique, un banc d'essai de nouvelles technologies, une escale pour l'exploration de la surface de la Lune, un centre de contrôle de missions pour les missions sur la Lune et un jour, peut-être, oui, un tremplin pour les voyages à destination de Mars. La station spatiale lunaire complètement assemblée sera formée de modules de recherche scientifique et de modules habitables. 4 astronautes pourront y vivre et y travailler pendant tout au plus 3 mois à la fois. Durant leur mission, ils iront parfois sur la surface de la Lune pour y mener des expériences scientifiques et tester de nouvelles technologies. Et un jour, la durée des missions pourrait être prolongée en préparation pour les futures missions dans l'espace lointain. Il n'y aura pas d'équipage en permanence à bord de la station Gateway comme c'est le cas dans la station spatiale internationale, mais il y aura une mission habiter au moins une fois par année. Comme dans le cas de la Station spatiale internationale, la station Gateway sera assemblée un module à la fois. Des lanceurs de la NASA et du secteur privé seront utilisés. Les deux premiers modules, le Power and Propulsion Element, ou PPE, élément d'alimentation et de propulsion, et l'Habitation and Logistic Outpost, le HALO, ou avant-poste d'habitation et de logistique, ben, ils vont être lancés en même temps en 2024. D'autres modules seront ajoutés par la suite. La station spatiale lunaire devrait permettre la réalisation d'expériences scientifiques et de démonstrations technologiques d'ici 2026. Le système robotisé intelligent, le Canadarm 3, en assurera le fonctionnement quand elle sera inhabitée et réalisera notamment des expériences scientifiques à bord de la station. Ça va être passionnant, mais vraiment passionnant. Je pense qu'avec le début des missions Artemis, là, on est des privilégiés. On va pouvoir voir enfin l'être humain s'établir dans l'espace autour de la Lune et commencer à explorer notre univers. Cette semaine, SpaceX a lancé un booster pour la 11e fois, mais cette fois-ci,
il est pas revenu. Mardi 22 novembre, Falcon 9 a lancé la mission. Dis-le donc tout de suite, je ne me ferai pas répéter. Eutelsat 10B. Merci. Eh oui, vers une orbite de transfert géosynchrone depuis le Space Launch Complex 40 ou SLC-40 de Cap Canaveral en Floride. Sauf que cette fois-ci, le booster déployé par SpaceX n'a pas pu réatterrir faute de carburant. 35 minutes après avoir quitté la rampe de lancement, le deuxième étage du Falcon 9 a déployé un satellite de communication sur une orbite de transfert géosynchrone pour l'opérateur de satellite français Eutelsat. Le booster de premier étage du Falcon 9 était la plus ancienne fusée active de SpaceX. Il y avait déjà lancé 10 missions dans le passé, dont le déploiement de beaucoup de satellites Internet Starlink. SpaceX fait généralement atterrir les boosters Falcon 9 peu de temps après le lancement, mais comme cette mission nécessitait plus de puissance pour déployer le satellite de 5444 kg en orbite, ben il n'y avait pas assez de carburant pour ramener le booster. Il s'agissait de la 52e mission impliquant une fusée Falcon 9 en 2022, avec 12 autres prévues avant la fin de l'année. Cela signifie que 2022 sera la plus chargée pour SpaceX. SpaceX à ce jour battant le record de 31 lancements de l'année dernière. Au début du mois, SpaceX avait également lancé la fusée Falcon Heavy pour la première fois en 3 ans. Et la société se prépare aussi au lancement inaugural de sa fusée Super Heavy qui deviendra la fusée la plus puissante jamais lancée. Et la NASA prévoit d'utiliser la section là, Starship pour faire aluner une petite modification, là, elle va s'appeler HLS, pour faire aluner les astronautes sur la Lune. On n'oublie pas que c'est pas la capsule Orion. La capsule Orion avec la fusée SLS, là, ça c'est vraiment pour apporter les astronautes en orbite lunaire. Quand on parle d'aluner, atterrir sur la Lune, ça va être avec ce magnifique Starship. Wow! Puis en passant, là, vous vous souvenez de notre concours qu'on a fait sur « Devine le nombre de lancements de SpaceX de l'année 2022? » Et il reste juste 2 candidats. Ouais, regardez ça. Je vous avais promis une petite Starship comme ça, j'en ai donné déjà beaucoup. Vous pouvez aller voir l'almanach BDF juste dans la description. Mais ça se peut que la Starship, elle soit pas mal plus grosse. Nice. Woo! Et ça complète l'actualité spatiale chaud de la semaine. Hey, merci les BDF, vous êtes toujours plus à joindre la chaîne du futur, c'est vraiment apprécié. Et comme disait Albert Einstein cette semaine, la logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous aimer. Heureusement, nous sommes tous uniques. Aimez la vie, les BDF, c'est important, ça. Puis n'oubliez pas d'être boudot, parce que le futur, comme à chaque semaine, ça commence maintenant. Adios, amigos.